Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne The Fringy. Aujourd'hui on est sur Empyrion comme pour pas changer. Et écoutez, quoi qu'il arrive, on va voir ce qui se passe tout de suite sur la planète. Allez, on y va. Eh ben me revoilà de retour les amis, je suis dans l'espace tout seul perdu. Non, je suis pas perdu. J'ai visité, j'ai fait le tour un peu des astéroïdes. Ça j'ai pas marqué manifestement. Si j'ai marqué. Fait le tour un peu des astéroïdes à miner et j'ai démantelé un peu le Derrick là-bas un peu, pour ça que je suis fou. J'ai fait le tour de tout l'anneau d'astéroïdes et là-bas quand j'étais sur le Derrick je voyais des trucs bizarres là-bas au bout. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel. Et écoutez là, qu'est-ce qu'il y a. Nous avons un cimetière de vaisseaux. Alors ça c'est la première fois que je vois. Est-ce que c'est les mises à jour, j'en sais rien, mais franchement, sur serveur, quand j'étais sur serveur, il n'y avait pas tout ça. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un vaisseau là, il y en a un là-bas, là. Là, il est blanc parce que je l'ai pointé, je l'ai mis en repère. Donc là, on est dans le cimetière, là. Tout cela, c'est des vaisseaux. Et là, c'est tous des vaisseaux, il y a eu une grosse bataille ici, et franchement, je suis choqué de voir ça, c'est sympa, vraiment sympa. Il y a de la ressource dessus. En promenant dans les astéroïdes, j'ai vu ça. Il y a 4 ou 5 ou 6 vaisseaux. Joli petit vaisseau. Bon là j'ai laissé le mien là, parce que j'ai eu du mal à sortir du cockpit. Donc on va se mettre en bonne position. Ils sont tous destroyés. Il y en a un là, un là, un là. Une station. Orbital de défense démonté. Un autre là, un autre là, un autre là. Un autre là en dessous. Il y a vraiment un paquet de vaisseaux. Il y en a 6 ou 7, et ça je sais pas si c'est de la mise à jour, mais c'est vraiment formidable. Et là franchement il y a du loot d'enfer, on a les super canons là, si on arriverait à les récupérer. Et là, serait-ce qu'en démantelant tous ces vaisseaux, bon peut-être à la fin ça risque d'être compliqué, là il y a des tourelles et tout. Là on est à l'envers. On peut avoir vraiment des trucs sympas, il y a des réacteurs, il y a des trucs là-dedans. C'est sympa, franchement, en solo, j'ai pas joué vraiment, j'ai pas vraiment fait de grosses parties. Mais là, là, il y a de quoi faire, là. Là, il y a du loot, là, je vous le dis, les loulous, je vous le dis, il y a du loot, là. Là, je démonte tout ça et je peux me faire un super vaisseau de combat, quelque chose de dingos. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil dedans, on va essayer de voir si on peut démonter quelque chose. Je suppose que non, parce qu'il y a, encore le cœur du le noyau qui doit être encore dans le vaisseau. Et c'est vraiment sympa. Franchement, je sais pas si ça y était avant, mais là, franchement, je suis vraiment bluffé, quoi. Là, il y a juste, on est dans notre espace à nous. Et là, il y a de quoi faire. Le chupcore, il est juste là. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Et on pourrait aller le péter. Et on pourrait démonter tout le vaisseau. Franchement, on pourrait démonter tout le vaisseau. On va le visiter un peu, vite fait. J'ai démantelé le Derrick un peu. Donc, je suis assez full en... Je suis assez full en stock. Vraiment joli ce bâtiment. Vraiment joli ce bâtiment. Franchement, il est joli. Même moi, j'en ferai pas des aussi beaux. Et le démanteler, là, avec un pistolet comme ça... mettre des années quoi. Là il y a du loot là mais je peux pas l'ouvrir. Là franchement ça c'est superbe là. Là il y a vraiment un épisode à faire de démantelage. Les deux là c'est les mêmes. Là-bas aussi. Là-bas. Là-bas. Il y a la station. La station elle est où la station de défense? Elle est là la station. On pourrait aller vers faire jeter un petit coup d'œil. Mais mes coffres ils sont blindés à mort. J'ai fait du minage et j'ai passé 2 heures faciles à miner et tout le bordel là. Et là je peux vous dire, là il y a de quoi faire les petits loulous, là il y a de quoi faire. Mais bon, on va pas griller toutes les étapes. Ça c'est un truc qui bougera pas tant qu'on viendra pas le démonter. C'est comme le Derrick, je l'ai démonté mais partiellement. Donc je vais aller jeter un coup d'œil à cette station de. Celle-là ça m'intrigue, j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu celle-là. C'est vraiment, 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 vraiment sympa.
sont rouges parce qu'ils sont encore ils ont encore le noyau. C'est des ennemis, on peut considérer ça comme des ennemis. Mais attention les vélos quoi. Il y a du loot d'enfer là-dedans. On va juste trouver un endroit pour rentrer, autrement on tire avec des canons dessus. Hein. Si j'ai mon vaisseau mère, si j'ai déjà un semblant de vaisseau mère, alors je tire dessus au canon, ça va faire des trous dans la coque, hein, ça c'est sûr. Là franchement, c'est du lourd là, ça c'est du lourd. Donc on pourrait considérer que peut-être dans les autres portions, dans les autres petits systèmes de planètes, il y aurait aussi peut-être des trucs comme ça qui traîneraient. Et là franchement c'est du lourd là, franchement les loulous, là je vous le dis, ça rigole plus là. Là j'ai fait mes petites courses, mes chests ils sont pleins. Donc on va aller décharger ça, on va aller voir ce qu'on peut faire là-bas. Ça je l'ai pointé. J'ai pointé tout ce qu'il y avait dans le coin. Tous les points, c'est des trucs dans le coin. Là, il y a une station. Là, il y a des méchants dessus. Il n'y a pas de souci. Il y a les astéroïdes que j'ai pointés aussi. Donc, on reviendra à ça. Ça sera pour une autre mission ultérieure. Là, parce que là, on a trop de trucs, on peut pas faire tout. Hein. On peut pas tout faire, les loups. Alors, on va redescendre tranquillement sur notre planète, à notre station, à notre petite base. J'ai plus de bouffe, l'oxygène, j'en ai bientôt plus non plus, du carbu non plus, je suis bientôt sec de partout. Vous pouvez voir, le carbu il reste 13%, bon le super-espace il reste 13, mais il reste plus grand-chose, hein. J'ai ferraillé sévère là. Là je suis étonné, un cimetière là, ça c'est cool ça, franchement, il y a de l'intérêt là, franchement il y a de l'intérêt. Donc on va aller direct faire notre petite base. Et avec tout ce que j'ai récupéré, j'espère qu'on pourra faire un peu d'auto-mineur. Attends, je me posais la question s'il ne manquerait pas plutôt du cuivre. Pas forcément des ressources extérieures. À notre petit système de planète là. Donc on va aller se poser. Et puis on va voir tout ça, les amis. On va voir tout ça. Allez, on se pose et on regarde ça tout de suite. Et ben nous voilà de retour sur notre petite planète, sur notre petite base. Il fait toujours nuit, décidément quand on arrive c'est désespérant. Là on a du bloc, ça c'est bon, on a un petit lit aussi, c'est nickel. On va vider notre pétard, on va vider notre petit vaisseau. Parce que je suis quand même chargé un peu comme un mulet. Et quand je dis comme un mulet, c'est peu de le dire. Cela j'en ai du à bloc quoi. J'ai vidé, j'ai coltiné le derrick, j'ai fait une petite base, j'ai fait du minage, j'ai fait pouf, un paxon les amis, un paxon de trucs. Ça on va le balancer là-dedans, ça non, ça oui, ça oui, ça oui. On a même un générateur, un grand générateur V2 pour nous. Ça c'était des loots dans le derrick que je vais être loupé. Ça c'est bon, bon ça de la ferraille j'en ai assez, ça aussi. Ça, on va le foutre ça là-dedans. Là, c'est surplus de matériel. Les médocs, on sait plus quoi en faire. Le générateur, on va le mettre là en attendant. Ah, les chests, ils sont blindés à bloc. Hein. Franchement, c'est un truc de ma boule. Là, là j'ai fait la razzia, quelque chose de sévère. Là. Le constructeur il va exploser tellement il y a de trucs dedans. Plastique, ça, ça, un peu de verre, un peu de ça, un peu de ça. Ça c'est les trucs que j'avais laissé sur la station. On a une tourelle impulsion. Ça, ça, ça. Générateur. Je sais pas combien des générateurs en fait. J'espère qu'avec tout ça, on va pouvoir faire quelques auto-mineurs. Hein. Ou alors là, même des armes aussi. Ou alors on pourra lancer une construction d'un gros vaisseau. Un blueprint bien entendu. Des armures, j'ai chopé. Ça c'est prométhium que j'ai raffiné pendant mon voyage, mon long voyage. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est. Je suis chargé comme un mulet. Comme un mulet, les amis. Des armures, j'ai pas de armure lourde, des armures lourdes, faut les acheter, j'en compte ça. Oh là là, j'ai de la thune.
cacheton, j'ai... Oh, ça va faire mal, là. Ouais, Guy, qu'est-ce que tu fais? On va arriver à bloc de ce chest-là. Il va falloir que j'en mette un dessus. Hein. Je sais que j'en ai un là. Et ça, tous ces loots, on va voir ce qu'on a en construction en attente. Je crois qu'on a le chasseur blindé. Je sais même pas si je vais pas le laisser. On va pas le laisser pour mettre un truc beaucoup plus gros que ce chasseur blindé à construire. Parce que là, avec tout ce que j'ai là, si j'arrive pas à faire un petit vaisseau mère assez lourd, je sais pas que ce que je pourrais faire. Hein. Je démonte je sais pas combien de trucs. Là aussi, non, ça c'est bon, ça c'est vide. Ça c'est... du boxon à revendre, ouais, ok, c'est du boxon à revendre. Là, il y a encore du loot. Bon, ça, je vais foutre ça en bas, hein, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ça, encore du plastique. Je me plaignais que j'en avais plus, là. J'en ai des valises. Le petit lit, ça s'en veut. Tac. Panneau solaire, tout ça. Faudra que je balance dans un constructeur, ce truc. Ça, je peux le laisser. Ça, on va le refoutre là-bas dedans. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me reste? Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. C'est ça que je vous dis les amis, avoir un vaisseau avec une bonne cargaison de bonne cargaison de conteneurs pour foutre tout votre boxon dedans, je vous dis c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est pas du luxe, hein, franchement. Là il y a tellement de trucs que j'ai récupéré là. Ça. Ils se remplissent à vue d'œil quoi. Bon, de ce côté ça devrait être bon. De ce côté c'est vide, là aussi. Là pas encore. Oh, les plus marges, on est 50. Et là c'est le reste qui reste, ok. Alors là il y a des cailloux qu'on va pouvoir foutre dans la machine. Est-ce que j'ai encore du fer? Je peux le foutre dans la machine. Non, ça n'a plus de place, d'accord. Là c'est ok. Alors ça, magnésium, on est obligé de mettre là. Ça aussi. Du bois. Ça. Ça. Le zirconium. Et l'érythrium. On va peut-être pouvoir enfin se faire un automineur ou deux. Bon, ça je vais le foutre dans la fournaise. On va nous faire 2-3 lingots. Donc, ça va complémenter. Et 2-3 trucs qu'on peut faire. Ça on va le rebalancer là-dedans. Il commence à être aussi ultra plein celui-là. Ça on peut garder ça. Faudra qu'on essaie de faire des blocs avec ce composite là. Voir ce que ça donne. On l'a option ou pas? Ouais, bloc xénoacier. Je sais pas ce que ça donne, mais... Je sais pas si c'est solide ou pas, mais bon. On va le foutre dedans, d'accord. Ça, je vais le récupérer. On va finir de vider tout ça. Ça, c'est pour le carbu, c'est nickel. Ça, c'est aussi ça. Celui-là, non. Constructeur. Il y en a encore, là. On va l'éteindre. Ça c'est des ressources, hein. Ça aussi. Ça, je vais tout annuler. Bon, manifestement, ils veulent finir celui-là. Donc on va le laisser finir. Même s'il n'y a pas d'énergie, ça va pas le faire. Voilà. Là du carbu, je vais vous dire, on va en avoir à foison là. Mais bon, le carbu ça part quand même
On l'est relativement vite, hein, les touloulous. Donc faut pas s'affoler, mais pour vous dire, ça part quand même assez vite. Là, c'est du fer, silicium. Bon, là, c'est bon. Dans la fournaise, c'est ce qui reste. Je crois qu'il va falloir qu'on refasse une base. Il va falloir qu'on agrandisse la base correctement maintenant qu'on a. En 192 pour faire un ou deux bons voyages sur une ou deux ou trois planètes, peut-être aller-retour uniquement. On va finir de traiter le fer. Je sais pas encore, pourquoi je dirais qu'il y a du. Pourquoi il y a du fer? Du fer, il ne va pas en avoir parce que j'ai des cailloux encore de fer là-dedans. Non. Je sais pas pourquoi j'aurais dû faire. Tous ces lingots, j'ai pas besoin. Logiquement, j'ai pas à les faire. Parce qu'ils sont dans la fournaise, ça je vais lancer. Ça aussi. Et ça aussi. Ça aussi. Puis le reste, on est ok. Pour l'instant, on est ok. Donc, on va passer la nuit. Vu qu'on est là, on va passer la nuit. Dans la petite tente qu'on va démonter après. Et on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'on fait. Allez! Nous y revoilà, les amis. Nous y revoilà. Donc, je vais déjà vider mes machines là pour voir où ça en est. Ouh, intéressant. Intéressant. Bien fait de laisser tourner cela. Et puis, ben, on va voir les petites modifs qu'on a fait incessamment. Donc, vous pouvez le voir, là, il y a une grosse plateforme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, j'ai agrandi ma base, j'ai modifié un peu ma base, j'ai fait quelque chose un peu plus sympa. Parce que, voilà, ma base, c'est bien gentil, l'exploration aussi, tout ça. Il faut que la base, elle bouge un peu, donc j'ai repoussé mes tourelles. J'ai fait une jolie petite plateforme, là, comme vous pouvez voir. Et puis, j'ai fait des hangars. Bon, c'est... Esthétiquement, c'est pas terrible, hein. C'est un cube, c'est un gros cube, c'est un tout gros cube. Donc, je fais des petites pistes comme ça, la nuit on sait où ça arrive, on sait par où aller. Là pas forcément, parce que ici c'est vraiment la construction, tout ce qui est construction. Donc, j'ai tout déplacé, j'ai tout changé, j'ai tout cassé, j'ai tout réparé. Donc ici bah, j'ai repoussé tout ça, j'ai aussi fait un mur énorme d'inventaire, ma fournaise je l'ai déplacé, j'ai mis un deuxième constructeur ici. La cuisine ici, la serre elle est toujours en bas, il n'y a pas de problème. Il y a un automineur là-bas, c'est le F2, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Donc là j'agrandis ma serre, il me semble que je vous l'avais montré. Pour la déco, je suis pas un spécialiste de la déco, c'est pas mon truc, je n'ai pas envie de m'emmerder à faire de la déco. Je ferai peut-être une petite chambre, ça, ma chambre elle est là pour l'instant. Je me ferai peut-être une petite chambre pour faire joli quoi. Pour faire joli, donc là on va remettre de la flotte parce que c'est là qu'on en aura besoin de la flotte. Là on va en remettre un peu aussi. Et là on va en remettre un peu aussi. Et le reste on va le foutre dans le stock. Donc je range un peu mon bordel parce que c'était toujours un peu le bordel. Ça devient vite le bordel chez moi. Et voilà, donc je me suis refait un petit pétard, un petit coup par coup, j'aime bien. J'ai mes petits pistolets pour je repasse mon vaisseau parce que la dernière expédition, je suis retourné sur la planète où on était allé déjà. Regardez ça. Et bah, j'ai passé au-dessus des bases. Ils ont des belles, toutes des jolies petites tourelles bien violentes. Donc elles m'ont fait beaucoup de trous dans mon vaisseau. Il faudra que je refasse des balles de flingue d'ailleurs. Je refasse des balles de flingue, mais j'en ai plus. Donc j'ai dû le réparer. Hein, parce que je peux pas le blueprinter 50 fois. Bah, j'ai pas assez de ressources pour l'instant. Donc j'aurais blueprinté direct. Moi je m'embête pas à réparer mes bécanes. Blueprint une, et puis l'autre je la démonte, je la balance dedans. Donc, je vais me faire des balles quand même. Pas mal d'armes à dispo, mais pour l'instant j'ai pas. Les armes c'est pas trop important, je préfère me cantonner à essayer d'avoir des automineurs, j'en ai fait pas mal. Je suis déjà tous allé les poser dans ici sur ma planète, et puis sur la Lune aussi pour le pentaxile qui a plu. D'ailleurs, il y a une météorite qui a atterri sur la Lune. Je suppose que les météorites sont maintenant tombent sur les lunes, mais pas forcément sur les planètes. Et je vais prendre du carburant, le pentaxi, c'est vraiment tout ce qu'il y avait sur la lune. J'ai tout braqué ce qui traînait, sauf la météorite, parce que c'est long, c'est chiant à miner.
Je me suis pas emmerdé à la faire. Ça, je vais reprendre. On va partir en escapade. On va certainement aller récupérer un peu de nos auto-mineurs. Bon, là, je vous ai montré le petit chasseur blindé. Bon, celui-là, il n'était pas manifestement, il n'était pas si blindé que ça. Et il y a eu des petits problèmes de texture. C'est moi qui ai fait ça. Ça, j'ai mis un petit peu de blindage en dessous. Faut que je recontrôle. Je vais le repeindre un peu parce que là, il ressemble à rien, le machin. Donc, il y avait des gros trous partout. Il y avait la moitié, tout ce secteur-là qui me manquait. Donc, il me manquait des propulseurs, il me manquait de tout. Ils m'ont pas pété mon propulseur hyperdrive, ça aurait été la grosse merde. J'ai rajouté un max de trucs, hein. J'ai rajouté un réservoir énorme. Bon, le réservoir d'énergie pour la distorsion, on peut pas en mettre deux, je crois. Je vais pas tenter le coup, mais on peut pas en mettre deux. C'est trop simple. Et puis on va bouger, on va bouger. On allume la propulsion, pouf. Pouf, pouf, pouf. Voilà tout ce qu'il faut. Je vais le repeindre un peu vite fait dans l'espace parce que ici je risque de repeindre la moitié de la base avec. Et puis on va aller. Première chose, on va déjà partir dans l'espace. Plein pot. Donc derrière, j'ai pas rajouté de propulseur. De toute façon, ça ira pas beaucoup plus vite. Je vais le repeindre vite fait dans l'espace. Et puis on va aller, je crois, on va aller braquer le cimetière. Le cimetière de l'espace. Le cimetière de l'espace. Alors le cimetière de l'espace, ben, c'était la bataille qu'il y a eu dans l'espace. Et puis il reste que des vaisseaux en morceaux. Donc on va pas les démanteler totalement, on va juste prendre des ressources intéressantes. On la ferraille, toute la coque et tout, on va tout y laisser. C'est joli, on va le laisser comme ça. Et voilà les amis, on y arrive, on y est, on y est, on y est. J'ai mis le frein, donc on va tous les faire, on va prendre uniquement les ressources quand même super intéressantes. On va laisser les vides, tout ça, on va pas tout. Mais s'il y a des tourelles. Oh, tu freines ou pas? Ouais, le propulseur avant, ils sont pas très puissants. On va vraiment faire le tour et essayer de braquer le plus de trucs possible, mais sans trop dénaturer le vaisseau détruit quoi. S'ils sont jolis, je vais essayer de. Les laisser comme ça, j'aime bien laisser. Autrement, il faudrait démontrer tout, c'est dommage. Ça, c'est des trucs. Je crois pas que ça repop, hein. Ça va vous parler. Je crois pas que ça repop, hein. Par contre, manifestement, je suis parti en urgence. Puis j'ai pas pris de bouffe, bien entendu. Donc, il va falloir, après cette petite expédition punitive de démontage, des propulseurs et tout, des trucs intéressants. Je sais pas si je vais tout démonter, on va voir. Ça c'est faux propulseur ça. Là il y a un machin, ça je vais prendre. Ah oui mais faut que je casse le noyau d'abord. Donc on va déjà essayer de chercher le noyau pour démonter quelque chose. Alors par où on rentre là-dedans? On va rentrer par là-dedans. Il y a des trucs quand même, ouais, des petits trucs électroniques, machin, des réservoirs. Par contre on peut pas beaucoup passer là. Si. Ah si. Oh bah non, il est bizarre ce vaisseau. Drôle de design. Ah il est marrant. Bon, je suis déjà pas dans le bon sens. On va se mettre dans le sens. Hein. Il y a du réservoir, ouais, il y a des trucs intéressants. On va démonter tout ça. Enfin, ça c'est presque un vaisseau hôpital, dis donc. Il y a une portasse. On va pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de la guille. Intéressant tout ça, intéressant les amis, intéressant, il y a des trucs, ça va nous faire du bon loot ça, va nous faire du bon loot, bon, on cherche le truc qui doit être planqué plus loin, cœur du vaisseau, tiens on pourra essayer notre laser, avec des petites flèches et tout, ouais comme vous pouvez voir les vaisseaux quand même qui sont popés dans... Empire, ils sont quand même plus jolis que les miens. Moi, c'est pas très beau artistiquement. Hein. Moi, je cherche l'efficacité. Hein. Je cherche pas. C'est comme la plupart de mes jeux. Hein. Je cherche vraiment un truc efficace, pas forcément super beau, ni joli, ni super joli, super beau. Ça claque et tout. Hein. Moi, c'est vraiment un truc qui est efficace. C'est tout ce que j'ai besoin. Voilà le petit chip. Alors, on va le péter. Et non, il est quand même costaud le baraque, hein.
Et voilà, on va pouvoir faire un peu de braquage, on va faire un braquage dans les règles. On va prendre les réservoirs, on va prendre vraiment tous les trucs utiles. Après la ferraille, on laisse la structure. Bon, les réacteurs, malheureusement, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de vous prendre. Hein, ça c'est un loot intéressant aussi. Hein. Le frigo, il y a quelque chose. Ah bah oui, mais c'est pourri forcément. La cuisine, merci. Les lupiottes. Bien sûr, les lupiottes, toujours les lupiottes, ça vous donne de l'électronique. La ventile aussi. Donc là il n'y aura pas de gravité vu que je l'ai démonté le machin. Ça sert à rien de les récupérer parce qu'on gagne rien. On peut pas les récupérer comme ça. Un peu de plastoc. Donc je les récupère pas. Comme dans plusieurs bases on a eu. Enfin certaines bases on a eu l'occasion de les récupérer, mais ça ne nous donne pas le bloc complet. Ni la ressource d'ailleurs, je sais pas. Ah, les réservoirs ils sont tous là. Ah, les designs ils sont jolis, hein. C'est vrai qu'ils sont. C'est vachement chiadé quoi. Bon les gars ils sont payés pour faire hein. Ils sont payés pour faire des trucs beaux. Hein. Donc c'est beau. Oui, merci Star. Bon voilà, je vais passer par là. Hein. Faut pas discuter. On prend ce poste-là. Ça aussi. La mine, il doit rester de la mine. C'est dommage, j'ai pas vu de tourelle dehors. Ça c'est des trucs que j'ai pas. Ça c'est intéressant. T'as l'opiote toujours. Bon, le panneau, l'ascenseur, je dois. Bon, allez, je prends aussi ailleurs. On est venu pas faire du braquage, on n'est pas gentil, on démonte, hein. Pas tout, mais on démonte. Allez, il devrait avoir des trucs intéressants. Faut faire gaffe quand on fait ça, quand il y a un truc de gravité, qu'il y a des blocs empilés. Et ben tous les coffres se tombent sur eux-mêmes et puis quelquefois on n'arrive pas à ouvrir, on n'arrive pas à tous les ouvrir. Donc faut faire attention quand même à ça, c'est important. Ça vient pour faire du loot, hein, faire des ressources. Hein. Merci. Et si on fait n'importe comment, on va aller trop vite, et ben peut-être un des chests, vous pourrez un des conteneurs, vous pourrez pas l'ouvrir parce que vous n'arriverez pas à l'atteindre. Puis des pop, vu qu'on les aura démontés. On aura démonté les inventaires tous en même temps, bah ils dépoperont tous en même temps. Ah ouais, donc là c'est la porte d'entrée, d'accord. C'est joli, hein. Moi c'est pas non, je sais pas à quoi ça me sert, mais j'aime bien les prendre quand même. Eh bien chiadé, hein, toutes la même couleur, deux trois couleurs. Eh bien chiadé ce vaisseau, eh bien chiadé. J'ai pas demandé déjà. Ah quand même. Alors, donc là on a fait la razzia aussi déjà. On a pris la ventile, là il y a la plateforme, machin, ça, je vais prendre la portasse. Bon, ça dénature, ouais. Ça dénature pas trop, bon les trains d'atterrissage. Allez, ouais, pour les trains d'atterrissage, ouais, ils ont été cassés dans la bataille. Côté étoile, j'en ai pas vu sur celui-là. Il est bien chiadé quand même ce vaisseau, il est bien chiadé. Je l'aime bien. C'est du bloc. Ouais, il est bien chialé. Bon, alors il est où mon petit vaisseau? Ah, il est là-bas. On va aller poser ça dans un des inventaires à disposition. On va foutre ça là-dedans. Je pourrais même balancer ça dans le constructeur pour construire quelque chose. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de construire quoi que ce soit. Ça aussi, on a récupéré tout ça. Pour périmer. Ça, on peut laisser là-dedans aussi. Oh, bon, il y a encore un machin que j'avais pas vu. Ah, bah non, j'ai essayé, mais je m'excuse, je pouvais pas le démonter. Hein, j'avais pas cassé le cœur encore. Petite copiote ici, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il n'y a plus rien, allez, feu, on va partir sur un autre. Il est où mon vaisseau? Il est où mon vaisseau? Suivez la flèche, suivez la flèche. Voilà, on est là. On remet les gaz, on va les braquer un autre. Donc, lequel est le plus proche? Celui-là là-bas. Celui-là, c'est du gros, donc il doit avoir du canon, il doit avoir. Oups!
qu'on évite de rentrer dedans, bien sûr. Je crois qu'il y a une plateforme d'atterrissage, là. Je vais aller me poser dessus. Il y a une plateforme. Ah non. Il est creux à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il était creux à l'intérieur. Bon, pourquoi pas, hein. Allez, on est reparti. Alors, le cœur, faut aller choper le cœur. Donc, le cœur, je crois qu'il était là-bas derrière. Vu qu'on l'a visité, celui-là. Les consoles, on n'est déjà pas dans le bon sens, on est d'accord. On va tourner dans le bon sens du vaisseau. Il y a du frigo, il y a du capteur, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Alors, il est où le cœur? Il est où le cœur? Là, il y a une petite serre, d'accord. Le cœur, il doit être par là derrière. Je sais plus où il était. Où il était à l'avant? Je sais plus, moi. Ah non, il est là. Il était bien par là, donc on est rentré par là. Faut qu'on rentre dedans. Quelle vitre cassée? Non, non, c'est un effet d'optique. Par contre, pour le péter, là, va falloir bien viser. Hein. Voilà, alors on va faire le tour déjà par dehors. Je sais qu'il y a de la tourelle. Il y a des réacteurs aussi. Une tourelle là. Regarde sa tourelle là. J'ai vu qu'il y a du canon ici. Et ça va nous donner un max de ressources pour nous faire notre petit mineur. On puisse faire des voyages quand même un peu plus longs que des chariots. Bon, ça c'est de la déco. Ok. Là il n'y a plus de sous. Je crois qu'il n'y a rien et puis je suis déjà en train de mourir de faim. Eh ben c'est formidable. Je crois qu'on va se faire déjà ces deux vaisseaux, puis après on va faire autre chose. Voilà. Faut que j'aille bouffer, de toute façon j'ai plus rien à bouffer. J'ai rien dans mon sac à dos là. Non, j'ai que dalle. Bon, c'est pas grave, on va crever quelques fois quoi. On va bien finir ce vaisseau avant de m'en aller quoi. Là, il y aura peut-être quelque chose qui est comestible. Oh bah non, tu m'en diras-t-on. Ouais, il y a quelque chose là-dedans par contre. Ah, les abeilles aussi. Ah bah oui, ça va être un moment, ça va faire un moment que c'est ce cimetière. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, mais on s'imagine que ça fait un moment déjà. La porte aussi, les portes, moi j'aime bien les portes. Bon, on crèvera dans le vaisseau, hein, c'est pas grave, mais qu'on est mort, bah, on recommence, hein. On perd rien, hein, on reste en coin. Un gyroscope, oh, toujours intéressant le gyroscope. Un petit loupiote, un petit truc de déco, pof pof pof. Un truc à armure, donc là il y a une autre porte aussi. Donc il y a forcément la même chose. Là c'est quoi? C'est un trou. Ah c'est un trou. Ah les gyroscopes. Le gyroscope s'il vous plaît. Bon les vitres on les laisser, hein, on va pas faire. Les réservoirs, toujours intéressant. Une loupiote, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a du trou, il y a du trou. Faire de lampe, on essaie d'aller choper les réacteurs aussi. avant de crever quoi. Bon, alors là j'ai l'air d'être pas trop mal, là on peut descendre encore, donc on va descendre. Ah, mais c'était une sortie directe à l'extérieur, ok. Et des petits réservoirs. Ah, il y a des grilles, il y a des grilles, ok. Interrupteur, petite loupiote aussi, toujours les petites loupiotes. Escalier, intéressant les escaliers toujours. À la console. Ah, un petit chest qui se cache. Il y en a encore en route. Servant que de la ressource, il n'y a pas d'armes et tout. Hein. On repart par là, allons-y.
Là c'est le truc pour monter, donc je suppose ça c'est aussi pour l'extérieur. C'est aussi pour l'extérieur. Non, ventilation, nickel. On retourne dans un endroit bien sympa. Ça c'est la cuisine ou c'est le poste de pilotage? Ah ouais, le poste de pilotage est là à l'arrière, ok, d'accord. Il est à l'arrière. Oh. Pas encore vu la cabine du capitaine. Bon là c'est pas mal, on va redescendre. Toujours pas mort de faim, je suis coriace. Hein. Fringuette est là du coffre quand même. Hein. Là il y a un truc. Réservoir. Alors, on va choper les propulseurs donc on est là. Peut-être ceux de l'autre côté sont encore là. On a là aussi. Intéressant. Bon, on va faire d'un côté à l'autre. Hein. On a l'air encore un peu intact. On va faire le tour par là. Peut-être qu'il y aura les propulseurs latérales. Ah, puis il y a des tourelles ici aussi. Je ne crois pas qu'on les récupère les tourelles complètes. Hein. Ça va être la ressource. Hein. Ouais, c'est la ressource. C'est pas toujours le... C'est un vaisseau considéré ennemi. On ne le récupère pas. Comme on le récupérerait, ce serait un des autres. Il y a de la planète à propulsion là. Le pilote aussi, ok, pouf. Ouais, encore en bon état celui-là, évidemment. On serait presque bien de le réparer, presque. Si j'aurais le schéma complet du vaisseau. Bon, on va partir à l'avant. Il y a des propulseurs à l'avant, c'est obligatoire. Toujours pas mort de faim, c'est très bien. Là, il y a un chest. Donc les configs sont toujours les mêmes, il y a toujours des propulsions latérales. Horizontale et verticale dans tous les coins. Généralement il y en a toujours à l'avant et toujours à l'arrière. Ça c'est systématique. Donc il suffit de rester au même endroit. Bon là c'est un peu décalé. Constructeur. Merci. On va faire juste celui-là, puis je vais retourner. Parce que je vais récupérer de la bouffe. Car je vais de toute façon mourir de faim incessamment. Ah il y a les autres là-bas. Ah oui, les freins. Propulseur de frein pour freiner qu'on est lancé. Une plateforme de décollage, hein, c'est pas mal ce vaisseau. Un beau design. Hein. Je comprends pas. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis. Ça serait bien qu'il le mette en blueprint pour le jeu d'origine. Vous voyez ce que. Mais peut-être qu'il y a. En fait, je vais peut-être jamais regarder. C'est pas mal. Hein, il est bien chiadé quand même. Non, il y a une bonne flopée de propulseur là. Bon, des bons aérofreins. Donc ça me gêne. Tac, tac, tac. Et on a fait la roue, donc on va repartir, on va continuer par là. Il y a un capteur, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, on reste là, ça me fait plaisir. Et où ce capteur? Ah, il y a un frigos. Ah, de toute façon c'est pourri, de toute manière, ça c'est sûr. Un inter. Ah, l'option de celle-là, j'aime bien. Donc, on va... Allez, là, le capteur. Bon, les lumières, je suppose. Les capteurs de lumière, ça, c'est cool, ça. Je vous montrerai... j'ai fait dans ma base aussi. Il faudrait que je vous montre comment ça se passe. C'est pas très compliqué. Quand c'est un circuit simple, c'est pas compliqué du tout. Bon, là, manifestement, il y aura certainement rien de rien. Ça a été éventré totalement. Ah, des petites loupiottes, mais on va pas tout récupérer. Fait chier. On va passer une heure entre... vraiment le truc intéressant. On arrive dans quoi bien sympa. Sortie extérieure. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Sortie extérieure. Ouais, c'est pas le cockpit, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un trait, c'est la peinture, ok.
Scopiote. Tac. Des inventaires. Bien sûr, j'ai plus de place. Ah, j'ai récupéré quand même des réacteurs. Quelle fois ça, quelle fois quoi. Ça prend. Quelle fois. Ça, c'est des zirconiums. Ça, c'est super important. Ça sera sûrement sur l'une des dernières palènes qu'on va visiter, celle qui est souvent la plus loin. Donc le zirconium c'est super important et super chiant à trouver quoi. Planète au bout du monde et puis il faut y aller quoi, faut y aller avec le vaisseau. J'ai une petite déco là, faut que je regarde alors, comment ça se passe. La loupiote, il y a une porte. Ah et les chiottes. Ah je vais prendre des chiottes. Et la douche. Oh, on donne dans la cabine du capitaine là. Qu'est-ce que t'en penses? Que vous en pensez? Je l'ai bien vitré, tout cool. Ouais, petite porte. On peut passer sur le pont. On peut se passer à l'extérieur du vaisseau. Ouais, je suis pas aussi évolué. Je fais pas autant de trucs intéressants comme ça. Hein. Ouais, il était sympa celui-là. Il était vraiment sympa. Je trouve qu'il est en blueprint. Hein. On va le voir tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. On va crever. Je crois que ça ressemble à, ça me dit quelque chose ce truc. On va aller voir dans les blueprints, ça c'est vaisseau mère. Bibliothèque, on va mettre vaisseau mère. On va mettre perso c'est les miens. Donc workshop. Non, workshop c'est ceux que j'ai téléchargé. Et puis vaisseau mère toujours mon garçon. Donc qu'est-ce qu'il y aurait en vaisseau mère? C'est pas celui-là. Celui-là, il est joli, hein, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais, bah il y est, c'est le préfab tier 3. Et costaud le bestiau. Ouais, il y est. Puis là, peut-être qu'on va trouver justement les autres aussi. Alors là, je suis en train de crever, donc on va. J'allais vite mettre ça dans ma soute. On va crever tout de suite derrière. Et puis. Alors pour le vaisseau, on va chercher de la bouffe à la maison. Puis on fait le plein et on repart directement en expédition. On va aller sur d'autres planètes. On est d'accord les petits loulous. On est d'accord. Donc je suis en train de crever de faim. Affamé encore une fois. Et j'ai même pas le temps de fermer la porte. Allez. On se retrouve dans l'espace, je vais chercher ma bouffe et reviens. Et ben voilà les amis, cet épisode est enfin terminé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. C'est nickel. Et on se retrouve au prochain. Allez, à plus. Tchou.